Bonjour à tous, dans cette présentation nous allons explorer les meilleures chaînes YouTube où l'on ne peut pas voir le visage de l'auteur, bien que cela puisse sembler étrange. Ces YouTubeurs sont en fait très populaires et ont réussi à développer leur marque sans montrer leur visage. Alors commençons. Nous allons voir dans cette vidéo des informations générales sur les chaînes YouTube sans visage et puis aussi des exemples de chaînes YouTube sans visage qui ont vraiment du succès. Commençons par les informations générales sur les chaînes YouTube sans visage. Les chaînes YouTube sans visage présentent des similitudes dans leurs approches de la création de contenu. Ces chaînes se concentrent sur la qualité et la variété de leur contenu tout en offrant des vidéos éducatives, divertissantes et informatiques. Ils utilisent des images créatives pour illustrer leur point de vue et proposent des instructions détaillées pour leurs vidéos de cuisine ou de bricolage. Le point commun le plus important est qu'ils n'ont pas de visage d'utilisateur à l'écran, ce qui permet aux spectateurs de se concentrer sur le contenu plutôt que sur la personne qui présente. La réussite sur YouTube est souvent le résultat d'un travail acharné et d'une planification minutieuse. Pour réussir sur sa propre chaîne, il est essentiel de créer un contenu original et engageant qui fidélisera les spectateurs. Il faut également interagir régulièrement avec la communauté de la chaîne pour construire une base de fans fidèles. Suivre les tendances pour créer un contenu pertinent et à jour et optimiser les vidéos en utilisant des titres et des descriptions claires et concis. De plus, il est important de promouvoir la chaîne sur différents réseaux sociaux pour élargir son audience et de collaborer avec d'autres YouTubeurs pour atteindre un public plus large. La création de contenu qui attire une audience fidèle prend du temps et de la persévérance. La plupart des créateurs ont besoin de plusieurs mois ou années avant d'avoir du succès. Il faut souvent un engagement à long terme pour développer une audience fidèle et le contenu régulier et de qualité est essentiel pour rester pertinent. Le plus important est de rester passionné et déterminé. Maintenant, nous allons passer à quelques exemples de chaînes YouTube sans visage. Nous allons voir aussi les bonnes pratiques pour réussir sur sa propre chaîne et nous verrons des chaînes YouTube sans visage qui ont vraiment beaucoup de succès. Voici la première chaîne que j'ai à vous présenter, la chaîne 5 minutes craft. C'est une chaîne de bricolage très populaire avec plus de 69 millions d'abonnés. Les vidéos sont créatives et intéressantes et les instructions sont faciles à suivre. Il y a une grande variété de vidéos dans tous les domaines, des astuces ménagères aux projets de bricolage plus complexes. Dans cette autre vidéo, il s'agit d'une chaîne de cuisine créative avec plus de 5 millions d'abonnés. Avec des recettes de gâteaux uniques et des instructions détaillées, cette chaîne est une source d'inspiration pour les amateurs de cuisine. Le contenu est divertissant et facile à suivre, même si vous n'avez aucune expérience de la pâtisserie. Game Theory. C'est une chaîne de jeux vidéo avec plus de 14 millions d'abonnés. Avec des analyses intéressantes et des explications de théorie de jeu, cette chaîne est une source d'information et de divertissement pour les amateurs de jeux vidéo. Le contenu est varié, allant des théories de jeu aux débats sur certains personnages de ces jeux vidéo. Enfin, cette dernière chaîne, avec plus de 1 million, presque 2 millions d'abonnés, qui propose des analyses de films, de musique et d'art en général. Le contenu est éducatif avec une voix rassurante et des vidéos bien produites. Cette chaîne est une excellente option pour ceux qui veulent approfondir leurs connaissances dans ces domaines. Vous avez vu qu'il existe beaucoup de chaînes YouTube à succès sans présence du visage du YouTuber. Et cela montre que le contenu est plus important que l'apparence ou la personne qui le crée. Ces créateurs de contenu ont réussi à développer leur marque en se concentrant sur le contenu intéressant et varié. Cela montre également que les marques ont de nouvelles formes de marketing à utiliser. Merci pour votre attention. On se retrouve dans une prochaine vidéo. À très vite. Donc, vous venez de voir une vidéo sur les chaînes YouTube sans visage. J'ai réalisé cette vidéo
entièrement avec Copilot, qui est l'intelligence artificielle de Microsoft et qui est maintenant à disposition dans les différents logiciels, que ce soit PowerPoint, Word, Excel, etc. Avec Copilot, vous avez plusieurs possibilités. Donc, résumer la présentation que j'ai déjà faite, organiser la présentation, poser une question, mais si j'en ai envie, je peux ajouter aussi une nouvelle diapositive et je peux le faire aussi avec le microphone. Toujours est-il que toute cette vidéo a été faite avec Copilot. Mais ce n'est pas fini. Je peux très bien améliorer cette vidéo. Déjà, en changeant les images si je le veux, mais le concepteur, il peut me donner aussi des possibilités. Quand il ne me donne pas de possibilités, je peux moi-même trouver des possibilités d'amélioration. Comme par exemple ici, aller dans le graphique Smart Art et demander par exemple, et il n'a pas voulu me le faire comme je voulais. Et ici, je fais, voilà. Il est possible qu'ils prennent le texte en entier, ce qui n'est pas très grave. Nous, on va le mettre en deux parties. Et on peut modifier les couleurs, mettre des couleurs plus attrayantes. Vous choisissez ce qui vous plaît le plus. On va rester là-dessus. Dégrouper pour les mettre à deux endroits différents. Donc, je dégroupe et je redégroupe encore. Voilà. Donc, maintenant, j'ai deux pavés différents et je peux en faire pour chacun ce que je veux. Celui-ci, la couleur ne me plaît pas, je vais donc remplir avec une autre couleur, par exemple celle-ci. Voilà. Et c'est quand même plus agréable d'avoir deux pavés qu'un gros pavé. Et en plus, la possibilité d'ajouter une animation. Donc, je me fais dans le volet d'animation. Je vais commencer par animer cette partie, donc apparaître. Je vais faire la même chose ici, mais je vais peut-être le mettre balayé. Et ici, balayé pour faire la différence entre les titres et le reste. Ici, je veux que tout soit avec le précédent. Ainsi, je peux régler le moment auquel je veux que cela apparaisse. Donc le titre en premier, après je décale un peu, et là je décale encore un peu pour pouvoir avoir les différents éléments qui paraissent l'un après l'autre. Nous allons voir dans cette vidéo des informations générales sur les chaînes YouTube sans visage. Voilà. Vous avez la possibilité de faire pour chaque élément, chaque diapositive, la même chose. Il est possible que le concepteur vous propose quelque chose. Voilà. Là, vous voyez, il vous a proposé ça. Et ça, vous pouvez le faire pour chacun des éléments qui se trouvent dans vos diapositives afin de les rendre plus attrayantes. N'hésitez pas à utiliser Copilot si vous êtes déjà sur Microsoft. Vous devez pouvoir l'avoir à un prix intéressant. Je vous invite donc à aller voir votre compte Microsoft pour utiliser cet outil très attractif pour faire toutes vos vidéos en très peu de temps. C'est surtout ça qui compte. Si vous voulez en faire beaucoup pour que votre chaîne ait plus de succès, eh bien, vous allez pouvoir le faire en passant moins de temps. C'est quand même très intéressant. Surtout qu'en plus, vous avez sous chaque diapositive les textes que vous devez dire en rapport avec la diapositive. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Posez-moi vos questions si vous en avez et puis partagez cette vidéo avec vos amis. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et aussi de, si vous ne l'avez pas encore fait, à très vite!